Aujourd'hui, il fait froid et personne n'a envie de s'entraîner. Mais il faut trouver la motivation aujourd'hui. Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le fractionné. Qu'est-ce que le fractionné? À quoi ça sert? Et pourquoi on va en faire? Donc je m'explique. Le fractionné, on va chercher d'abord votre VMA. Qu'est-ce que la VMA? C'est la vitesse maximale aérobie. Comment on calcule ça? C'est très simple, on fait un demi-coupeur de 6 minutes. Vous faites votre 6 minutes et vous regardez la distance que vous faites en 6 minutes. Donc 6 minutes x 10, 60 minutes égale 1 heure. La distance que vous faites x 10 égale votre distance pendant 1 heure. Mettons, si je fais 1 km en 6 minutes, je fais 10 km en 1 heure. J'ai donc ma VMA qui est de 10 km/h. Le fractionné, l'épreuve reine, 4, 6, 8 ou 10 x 400 mètres. À vous de choisir. À 100% de la VMA, donc c'est très simple, vous l'avez calculé juste à l'instant, à 100% de la VMA. C'est grâce à cet exercice que j'ai pu passer de 40 minutes à 33,50 au 10 km. Bon, après, je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais c'est ce qui a marché pour moi en tout cas. Donc c'est pour ça que je vais le partager avec vous aujourd'hui. Et donc avant de passer à la phase pratique, on va utiliser soit une piste qui fait environ 400 mètres, parce qu'elles font pas toutes 400 mètres, soit on va utiliser sa montre ou son téléphone. Vous faites un petit échauffement, quelques gammes, et une fois que vous êtes prêt, vous lancez ou votre téléphone ou votre montre, ou si vous êtes autour d'un stade ou d'une piste qui fait 400 mètres, vous commencez par faire votre accélération avec votre VMA à 100% et vous laissez 1 minute à 1 minute 10 de repos. Et vous repartez. Et ça, vous le faites 6 à 10 fois. Et une fois que vous avez fini cette séance, vous faites un petit footing de récupération et vous aurez travaillé votre vitesse à 100%. Enfin, personnellement, c'est ma technique. Après, chacun la sienne. Mais moi, je vous dis ce que je fais. Passons à la phase pratique. Alors avant d'effectuer ce genre d'exercice, on va bien sûr se faire un échauffement adéquat. C'est-à-dire qu'on va faire un footing de 20 minutes et on va y mettre quelques gammes et quelques exercices. Quelques pas chassés par exemple. Ou ce type d'exercice. Voilà, talons, fesses et toutes sortes de gammes pour vraiment échauffer tous vos muscles pendant 20 minutes. Il fait froid dans la campagne alsacienne. Je vais vous montrer une série de 400 avec le téléphone embarqué. Comme ça, vous verrez comment c'est ressenti. Et c'est parti! Voilà, les accélérations c'est terminé, petit footing de récupération, et c'est fini. Bon, la séance est terminée, on va faire une petite séance d'étirement légère, et rentrer tranquillement, et se couvrir surtout parce que il fait relativement froid ce matin. À une prochaine les amis, pour un entraînement encore plus fort.